partage la vidéo parce que le maudit Peul, parce que moi je l'appelle toujours le maudit Peul, c'est un maudit Peul, parce que le petit maudit Peul, il se flanque devant son écran que ouais, moi, ministre de la Défense d'Alpha Condé, mon frère, si toi tu es ministre de la Défense d'Alpha Condé, est-ce qu'il y a comprendre fait? Il va relire la fin. Les Guinéens, essayez de comprendre quelque chose. Quelqu'un qui ne s'exprime même pas en français, comment est-ce possible que lui, il peut être le ministre de la Défense de professeur Alpha Condé? Quelqu'un qui dit que oui, si c'est le guerre, on va faire le guerre. Quelqu'un qui dit si c'est le guerre. Mais c'est quelle phrase ça, la famille? Quelqu'un qui dit que oui, si c'est le guerre. Mais la famille, essayez de comprendre un peu. Essayez de comprendre un peu. Et la cellule, elle ne va nulle part. C'est déjà planifié, c'est fini. Il va nulle part. Nulle part. C'est fini. Vous pensez que vous pouvez tricher cet homme devant nous? Vous pensez que vous pouvez faire tomber cet homme devant? Il a abarafle Hubert carrément. Lui, il est guinéen. Il n'a pas comme notre président, professeur Alpha Condé. Celui-là est plus loin que Alpha Condé. Celui-là est plus loin que Alpha Condé. Celui-là, au moins, lui, il prie. C'est un musulman. Mais un président qui se dise que oui, qu'il est regretté, pourquoi il est né musulman? Je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu, la famille, je ne comprends pas. Un président de la République qui se dit que oui, essayez de partager la vidéo, la famille. Partage, parce que c'est urgent. Partage la vidéo encore, la famille. Essayez de partager, s'il vous plaît. Partagez encore. Partagez maximum, la famille. Anya, vos vidéos, partagez ma fourrure. Voilà. Parce que, les vidéos, c'est des vidéos qui sont notre témoin. C'est les vidéos-là qui sont notre témoin. Parce qu'il veut manigancer. Il veut accuser le vieux-là. Il veut accuser la cellule de l'Engelou, que soit disant que ouais, et la cellule de l'Engelou veut se proclamer comme vainqueur. Comme vainqueur. Il a démenti devant quoi? Devant des médias. Quand le petit Maudia, un petit bâtard, un peu le raté, un peu le Maudia, qui se flanque sur le réseau social aujourd'hui et disent que oui, que il est en train d'appeler le gouvernement sénégalais, le gouvernement bissagien, parce que Aseloudel est la maras gagné dans l'ambassade, mais c'est nous, mais c'est Aseloudel n'a pas besoin d'aller dans une ambassade, jamais. C'est nous, le peuple même, qui va élu et là, Aseloudel Ngallo. C'est nous, le peuple même. C'est le peuple même qui va intervenir. C'est pas les Sénégalais ni les Bissagais. C'est nous, le peuple même. Mon frère, c'est le peuple même qui va intervenir. Mon frère, vous pensez que là, Saint-Loudel, il est comme Alpha Condé? Le feu général, l'ancien Conte nous a toujours dit, croyez-moi, nous avons fait un wanyara ou un bombo. Un étranger ne peut pas venir en Guinée et qu'il gagne. C'est impossible. C'est impossible, la famille. Un étranger vient chez nous en Guinée et puis il gagne. C'est impossible. C'est inacceptable, les gars. Essayez de vous conscientiser, les gars. Essayez de vous conscientiser. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Pour Alpha Condé, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez pour lui?
quelqu'un qui est venu au pouvoir pauvre, les Guinéens essayent de comprendre. Quelqu'un qui est venu au pouvoir pauvre, aujourd'hui il est le troisième ou bien deuxième ou bien troisième ou bien quatrième président. Quatrième président le plus riche en Afrique de l'Ouest, précisément en Afrique francophonie, où monsieur Alpha Condé a pris cet argent là, où essayez de comprendre les gars, essayez de conscientiser vos esprits. Quelqu'un qui est venu au pouvoir pauvre, il n'avait rien, il est venu au pouvoir pauvre. Aujourd'hui, c'est le troisième ou bien quatrième président le plus riche en Afrique de l'Ouest. Comment? Je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Guinéens. Je ne comprends pas. Et puis, il y a certains cadres sociaux en train de soutenir M. Alpha Condé. Mais même si vous soutenez M. Alpha Condé, il va partir. Parce que si vous, les cadres sociaux, commençant par le monsieur le premier ministre, si réellement vous vous aimez le feu général Lansana Conti, vous ne devrez pas soutenir Alpha Condé. Si vous aimez votre ethnie, votre communauté, vous ne devrez pas suivre monsieur Alpha Condé. Parce que ce que monsieur Alpha Condé a fait, tout le monde a vu. La fondation de madame Henriette Conté paie à son âme. Elle est où sa fondation? Elle est où sa fondation, les cadres sociaux? Sa fondation est où? Pourquoi cette dame est morte? Pourquoi elle est morte? Pourquoi cette dame est morte? Pourquoi? Parce que le gouvernement d'Alpha Condé, il a détruit cette femme devant vous. Vous les sociaux, les cadres sociaux. Alpha Condé a détruit cette dame devant vous. Cessez, rien de tout. Essayez de partager encore la vidéo, s'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, la famille, partage encore, s'il vous plaît. C'est urgent. S'il vous plaît, c'est la vidéo là qui est notre témoin. Parce que le peuple bâtard a fait la vidéo aujourd'hui ou bien hier, il a appelé la communauté nationale et internationale. Donc, il faut que nous aussi, on montre notre preuve à l'opinion nationale et internationale. C'est des vidéos-là qui montrent à l'opinion nationale et internationale que oui, les Guinéens, on ne veut plus Alpha Condé. C'est celui d'elle qu'on veut. Donc, essayez de partager la vidéo. Voilà, essayez de partager. Aux vidéos, taron, aux efforts, aux vidéos, taron. Et puis, on a un mot, abonné des pages, ma. Les cadres sociaux, la fondation de Henriette Conté est où aujourd'hui? Est où aujourd'hui la fondation de Henriette Conté? Anamindé, mon frère, moi je t'ai dit que quelqu'un ne m'insulte pas sur ma page. J'ai dit ce coup, même si on me voyant, à comprendre, que moi je ne suis pas bâtard. Un bâtard comme toi. Et un gars m'a dit que il est bien. Mba ba photo nanana. Yonga magonta yanga mba flebe. Obe. Wo fore na re kombi ma. Rapage ma. Wo sige rapage ma. Wo sa kombi. Ina bilem kombi ka sono. Nbilem mama. Na ma video na coupe ma nbilema. Ni nga kombi ma na kwa so kuye ba. Aska a comprendre fe. Ya langri. Yanga ma di batar kolon. I batar kolon. Wo sige fore rapage ma. Wo sa fore kombi. Nta mu kombi ma. Mba na fole obe. Nta mu kombi ma. Nya bo ki ma tu. Ina bila fala mbesono mbata na tungu na gani madandara na kulu awomu ya takan respecteri munta munya takan respecteri. Tu as ton téléphone, mon frère, pourquoi tu viens insulter les gens? Tu as ton téléphone, mais prends ton téléphone, tu communiques, tu appelles les gens d'aller voter pour Alpha Condé. Est-ce que ça cause un problème? Au lieu de me dire bata, tu connais un bata? Moi un bata, regarde moi mon frère. Voilà, c'est bien tout faire à bout. Allez, une tonnette de ma. Akolo manam baba photo nanana. Bref, donc, d'agiter ce qui est bien à la chicoa. Aussi, la forêt rapage, mais aussi, on est combi. Bête à combi, ni combi, mananinga combi, ni baba combi, maman va nous zéro. Ça, c'est mena ramboa. Donc, essayez, aucun respect à la belle. Donc, la famille,
Il n'y a pas match. Nous tous, on a vu la campagne de Ella Seloudel Ndiallo, comment ça se passe. On a vu à Kaloum aujourd'hui. On a vu à Kaloum aujourd'hui comment ça se passe. Ouais, Kaloum était comme ça. Des millions de personnes qui sont sorties soutenir Ella Seloudel Ndiallo. Et Kaloum, ce n'est pas pour les peuples. Kaloum, c'est les soussous qui sont là-bas. C'est les soussous qui sont là-bas. Vous pensez que vous avez oublié quelque chose. Vous pensez que les gens en train de soutenir Ella Seloudel Ndiallo parce qu'ils veulent les soutenir, non? Parce que tout simplement, Ora Mengera Wouleba Lamerebe. Oma Mengera Wouleba Lamerebe. Oyarabi, ce n'est pas l'ethnocentrisme. C'est pas l'ethnocentrisme. Oui, Arabi. Oui, la Mauragina Nabi. Oui, la Mauragina Nabi. Donc, essayez de comprendre, les gars, la famille, la communauté. Nous tous, on a vu ce qui se passe en forêt. La forêt, ils ont sorti massivement combien de millions de personnes qui sont descendues dans les rues. Combien de millions de personnes? Vous pensez que c'est des miettes qui fait bouger les gens comme ça? Ce n'est pas des miettes, c'est la vérité. Parce qu'ils ont vu que oui, ils ont vu la vérité. Mes frères et sœurs, arrêtez de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, ça n'apporte rien. A Moussa se fume au moment. L'ethnocentrisme, Moussa se fume au moment. Oui, Arabi, bile womanga, oui, Arabi, bile womanga, oui, Arabi, bile womanga, Arabi. Donc, voilà, moi, on en comprend. Est-ce qu'il y a comprendre fait? Est-ce que vous comprenez? Donc cette fois-ci, vous voulez que nous fassions. Donc cette fois-ci, et là c'est l'oudalin. Et ma tête moi ratébé, et wa ma mise ratébé, il y a problème nan naki. Mon frère, si gars ça fait la communauté malinké. Va dire à la communauté malinké d'aller voter pour Alpha Condé. En tout cas, moi, j'appelle ma communauté. En tout cas, ma communauté Soussou. Tout Soussou. La communauté Soussou. Il finit de remorer, il finit de n'y avoir fourré. Il me rouille voter Alpha Condé, mais c'est que tu es un bâtard. Voilà. Il finit de me rouille. Soussou voter Alpha Condé, mais c'est que tu es un bâtard. Donc, mon frère, va appeler les militants de RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Et moi, ma tête, moi, ça a bien. Et moi, je suis un peu bangré. Parce que je n'ai pas de dépenses. Bama. Iba. Voilà, tête, moi, ratée. Les gars, au cœur, ça. Voilà. Mettez les cœurs. Parce qu'il ne veut pas la vérité. Parce qu'il ne veut pas que nous, les Soussous, on soutient Ella Seloudel Ndiallo. Et nous, on a appelé la communauté Soussous d'aller voter pour Ella Seloudel Ndiallo. Et on a eu un engagement. Il y a aussi Ella Seloudel Ndiallo à Tananbe. Et puis, Mouyemon Motima, il y a plus de 35 à 36 000 et quelques personnes qui contrôlent les bureaux de vote à Womakolo, RPG Arc-en-Ciel. Plus de 35 à 36 000 personnes qui contrôlent. Cette fois-ci, Mouyemounana. Donc, Iwa Marono, basse-côte, précisément la basse-côte. Si vous voulez, si vous pouvez voter pour quelqu'un, c'est Ella Seloudel Ndiallo parce que sa femme, elle est de basse-côte. Kaja Ali Matudele, elle est de basse-côte, elle est de Kindia, elle est née à Kindia, grandi là-bas, à Rasebur Nabana. Mais pourquoi vous m'avez voté ma Kaja Ali Matoube? Pourquoi vous m'avez voté ma Kaja Ali Matoube? Pourquoi d'aller voter pour Alpha Condé, un vieux qui a 80 ans et quelques? Pourquoi d'aller voter pour Alpha Condé, un vieux qui n'a pas la hauteur? Pourquoi la famille, la communauté Soussou? Pourquoi un gouvernement qui essaie de détruire la communauté Soussou, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, commence par
votre socio bana qui est KPC. Regardez comment il a saboté le business de KPC. Et KPC, il est sous-sous. Il est sous-sous. Regardez comment il a saboté le business de KPC. Regardez comment il a saboté le business de le gars qui est au Kaloum. Comment il s'appelle? Bobodi. Regardez comment il a saboté la basse-côte. Regardez comment il a saboté. Toujours, il essaye de saboter les socioka. Donc, au socio et au Kelly Woti. Donc, socio et au Kelly Woti, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Wara Woya Arabi, c'est le bon moment. Au Kelly Worati, Wara Wara Gereso. Wara Wara Gereso, c'est le bon moment. Donc, Gibiasi, Ibiasi, ça reste 9 jours. 9 jours, les Guinéens sont là, et là c'est le délai de Watongo. Et puis, et là c'est le délai de Mubambama, parce que c'est retour à Mubambama. Parce que les matins, ils sont là, ils sont là.